pardon, rythmique et sportive. Nous en sommes donc aux exercices d'ensemble. Et c'est le Brésil aux 6 rubans qui passe. La France est passée juste avant. Nous attendons la note. Le Brésil que l'on n'avait pas vu au championnat d'Europe à Stuttgart. Jusqu'à présent, donc, c'est la Biélorussie qui est en tête avec 19,10. Juste après, la Bulgarie, 19,05. La suite d'une petite faute, enfin d'une faute juste à la fin de l'exercice, manque de chance, qui a fait évidemment chuter la note d'exécution. Échange avec une perte d'engin. C'est la deuxième fois qu'il y a eu une chute du ruban. La première fois, il y a eu sortie. Donc, elle aura une pénalité de 0,10 à cause de la chute et une pénalité de sortie 0,10 aussi. Et là, à nouveau une chute, ça lui fera une autre pénalité de 0,10. Donc, en exécution, elles seront vraiment fortement pénalisées. Gros écart avec les équipes biélorusses, bulgares et même de la Corée du Nord avec l'équipe du Brésil. Ça n'a rien à voir. Le Brésil, brésilien. Cote pour la France. 9,65 pour la composition, 9,25 pour l'exécution, total 18,90. 18,90 total pour Frankrijk. Et voici donc les résultats que l'on annonce pour la France.